m'appelle Anastasia, j'ai 24 ans, je suis danseuse, actrice et DJ. J'avais un projet en France qui s'appelle Paulina, c'est un long métrage. Et pour ce projet, j'ai appris le français parce que mon personnage, elle est russe. Mais au milieu de l'histoire, elle doit déménager en France et elle doit parler français. Et au début, je voulais juste répéter mes lignes, mon script. Mais quand on a commencé à répéter avec les réalisateurs, ils demandaient d'improviser beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que je suis venue à l'Institut français pour apprendre la langue. Il y avait beaucoup d'événements très intéressants où on pouvait rencontrer les gens, parler. Et tout ça, c'était très intéressant. Ce n'était pas juste on apprend la langue. C'était comme un jeu. Et l'atmosphère à l'Institut, c'était très agréable. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que les Russes et les Français, ils sont assez proches mentalement. Et je me sens très à l'aise quand je parle avec les gens en France. J'ai toujours rêvé d'être actrice, parce que normalement, je suis danseuse classique. Et mon premier film, c'était ce film français, Paulina. Je ne pouvais même pas imaginer que je vais jouer le rôle principal en français, avec les gens français. Et ça m'a beaucoup aidée à commencer ma carrière d'actrice. Venez à la journée Portes Ouvertes le 14 septembre à l'Institut français.